J'avais eu l'occasion de visiter Costa Rica pendant que j'étais en stage ailleurs, et je trouvais que c'était un établissement qui proposait plein de choses avec plein d'outils différents, et voilà, qui se mettait régulièrement à jour des différentes méthodes, de tout ce qu'on pouvait envisager de nouveau et de novateur et de créatif pour les enfants ici. Et puis, c'est toujours le cas, donc c'est ça qui porte aussi au quotidien et qui nous permet d'être dans une dynamique lorsqu'on propose aux enfants. Le métier de psychologie est plutôt large. Disons, à Costa Rica, c'est surtout l'accompagnement des enfants, des familles et des équipes. Du coup, je travaille un peu avec tout le monde. J'ai pas mal de réunions cliniques avec les groupes, du coup, médico-éducatifs, pardon. C'est une occasion de discuter ensemble des problématiques ou des questionnements qui peuvent se poser au quotidien sur les groupes avec les enfants. Il y a aussi des réunions qui concernent les projets personnalisés des enfants, où du coup là on est en équipe pluridisciplinaire avec aussi les rééducateurs, les chefs de service, tout ça, ça permet de mettre en commun tous nos ressentis et toutes nos observations à propos des enfants. Et puis entre tout ça, j'ai pas mal de séances avec les enfants, du coup soit en individuel, soit en collectif, selon les besoins qui ont été repérés au préalable. Les enfants, l'enthousiasme des enfants et puis leur énergie communicative, voilà, c'est vraiment le moteur et ce qui nous fait nous enthousiasmer au quotidien ici.